à l'école, il est déjà au courant de la santé de nos enfants. Parce qu'il y a un man camarade dans l'école, qui ex-camarade avant, il a arrêté l'incarcération avec lui pour une raison avancée. C'est comment vous dites moi tu c'est un groupe assez spécifique. Et moi, je fais beaucoup de complètes. Je fais un CD, je fais une brigade de famille. Moi, je fais mettre un entrée. Moi, je suis très content. Comment dire, je suis un cas comme ça. Ministre, madame Lila David, quand tu as venu écoute moi. Je suis content qu'il essaie de savoir la faire au plus vite possible. Parce que moi, mon enfant, il peut faire dépression. Il a un problème l'intestin. Il n'y a pas un enfant pareil comme nous. Right? Souvent, il est malade, il est admis à l'hôpital. Et pas juste pas docteur payé. Il est admis dans l'hôpital gouvernement. Fini, il est abruti. Il commence à pleurer. Il paye. Tout ça, c'est un PA. C'est bien un enfant 14 ans. Il peut aller à l'école pour 3-4 mois, il reste la case. Un jour à l'école, 5 jours pour aller. Comment y aller, rebana, comment venir en groupe, pour taper au lit. Vous voulez finir lui, comment dit vous costez que lui, il se capote de yé, il est débouté, ou vient pas de yé, lui, fini, il a abruti, il commence à pleurer, il paye, tout à fait, il a un PA, c'est bien, il a 14 ans, il peut aller à l'école pour 3-4 mois, il reste la case, un jour à l'école, 5 jours pour aller, comment y aller, comment venir en groupe, pour taper au lit, vous voulez finir lui, pour dire lui et toi, je demande de vous appeler les parents, bon, les enfants là, je vous appeler moi aussi, vous essayez de guetter qui est capable de faire, mais jusqu'à l'école, parce que 4 mois, non, il n'y a pas voir.